Bon, et eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce live Monster Hunter 4 Ultimate en live avec les abonnés pendant que Sonic nous pète les couilles. C'est qui c'est qui a coincé son Sonic là dans un coin? C'est super chiant en fait, le chacha Sonic. Bref. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une session 2 juillet, donc sur les nouveaux DLC essentiellement, et puis d'autres choses, on verra si j'avance dans mes codex par la même occasion. En tout cas, nous allons procéder comme suit. J'ai pas beaucoup de défense malheureusement avec cette nouvelle armure. Mais au moins si on est contre contre les ratages, etc., le bouche-oreille et tout ça va être plutôt sympa. Alors voyons voir si je peux récupérer des trucs. Non, pour l'instant j'ai pas fait tout ce qu'il me faut. Sur moi c'est parfait. Écoutez, on va lancer une quête DLC sans doute. Ça lag un peu à chaque fois qu'on va dans les DLC. Alors je comprends pas pourquoi ils disent Tigrex 3D, mais bon. Le dernier spectacle USJ, le T-Rex Rush Crush. Expérimenter de grands frissons à vitesse grand V comme jamais vu. Comment ça, il est genre, c'est un Tigrex super rapide, c'est ça le truc? C'est quoi? Alors j'ai le Rathalos argent, mais il faut tuer le Rathalos argent pour débloquer la rature dorée, ou c'est quoi? Voyons voir un peu le stuff là. 1836, ok, ça va. Sortage mousson. Évasion plus 3, challenger plus 2, katana. Et esquive plus. C'est un stuff que j'avais pas encore vu avec cette tête de. Parce que c'est une X en fait. C'est une tête de lion. J'ai pas fait les DLC donc je sais pas, la raton dorée c'est une suite de quêtes, ok. On va sortir les bombes flash les amis. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas touché machin, les petits amis. On espère que ça va bien rentrer. Putain, mais. Ah merde, c'est vrai que. Mais je suis en tranchant violet, je rebondis quoi. Je suis en tranchant violet, je rebondis. La logique absolue. Alors je préférais mon stuff d'avant parce que moi je rebondissais pas. Bon, moi je viens de lui péter la tête. Il va bouger, c'est bon. Merde. Il est un peu rapide cet enfoiros. Thank you.
Les amis, les bombes flash, c'est quand il est en l'air. Hein. Beaucoup plus intéressant. Ah, bien joué ça. Sa tête est beaucoup trop résistante. Je vais tenter de briser la queue là. Ah. Oh mais non, je vais pas me faire one shot. Soyez pas médisant comme ça. C'est un homme incroyablement puissant, vous voyez. Très très fort cet homme. Voilà, là, je vais me faire tuer, vous voyez. Alors c'est marrant quand même que on arrive à se faire empoisonner en ayant une panoplie misure, parce que c'est quand même le monstre poison quoi, mais bon. Est-ce qu'il veut bien se poser ? Ah merde. Hop. J'étais un peu trop loin. Voyez, regardez, j'ai pris un coup de feu, je me suis pas fait défoncer tant que ça. Hein. Alan est un peu dans le mal. Et il se fait foncer dessus. Malheureusement, on peut pas taper la queue. Oh non, il a fait reculer, je suis dégoûté. Je pouvais toucher la queue là. Bon, par contre, c'est cool de pas être emmerdé quand le. Quand le monstre se met au sol ou qui crie, ça reste quand même là, pas mal pour les grandes épées, surtout quand vous les chargez, etc. La queue, hein, s'il vous plaît. Ah, j'aurais dû le claquer un peu plus tôt. Je pensais que j'aurais pas eu le temps, mais. La queue, s'il vous plaît, la queue! Coupez-moi cette queue! Je pensais me faire attaquer là. J'ai bien vu. J'ai bien intuité. Aïe. Ah, ça va, hein. Ah, mais je pense que je prends pas trop cher parce que. J'ai mon paladin plus 1 qui pop. Oh merde. Ah fuck. Aïe. Oh, on va se calmer. Ah oh, putain. Combo. Non, tout va bien. Ok, ça aurait pu être pire.
il ne charge pas, donc tout va bien. Merde. J'aimerais bien lui couper la queue là, si je... s'il permet. Ah non, à chaque fois il fait des mouvements qui veulent rien dire. Merde, je vais me faire comboter là. Ah, excuse-moi si je te fais tomber, mon cher Alan. Non, il a Star Knight, alors tout va bien pour lui. Ah, voilà. Bon, par contre, il a beaucoup de vie quand même, malgré tout. Ça fait un petit moment qu'on est dessus à 4 quand même. Et tant qu'il est en l'air, on va en profiter pour prendre sa queue. Alors qu'est-ce qui file exactement la Star Knight? Quelle est la quête de la Star Knight exactement? Est-ce que c'est ces fameux Rathalos et Ratchan, etc. Je t'inscris après, Papouche, là j'ai vraiment pas le temps, tu t'en doutes. J'ai eu un peu peur pour mon cul. Ah ça y est, il est fatigué là. Et voilà. Et bah GG, bravo les amis. C'était du propre. La Star Knight, c'est Ginnouga et Regios en arène. T'es sérieux? T'as voulu faire des 4 arènes pour Aucune mort, what the fuck, mais on est trop fort là, sinon. J'ai pas joué pendant 3 semaines. C'est parce que je suis parti chez des moines Shaolin dans les hauteurs du Tibet. Je suis parti en vacances. J'ai médité pendant 3 semaines. Je n'ai rien mangé, j'avais les yeux fermés. J'étais en position du lotus, tu vois. J'ai médité pendant 3 semaines comme ça pour devenir un monstre à Monster Hunter. Voilà. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est de la matte feu luisant pour les trucs DLC. Dégainage plus 2. Ouais, on s'en fout un peu. Alors,
Il faut que je note les prochains. Alors Papouche normalement. Papouche avec Yami je crois. Tu rigoles mon cher ami. Du coup je demanderai à Urtix, l'ombre noire et Papouche de venir si vous êtes toujours là. Merci de vous déplacer dans la salle. Les autres, vous pouvez vous en aller. Je vais d'ailleurs vous jarter, bien entendu. Hein. On va vous expulser comme des malpropres. Voilà, histoire de laisser la place au prochain. Il n'y a pas de place pour ranger un pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait Yo-Yo Gamin, mais... Mais on n'a pas de G1 pour l'instant. Pour l'instant, les quêtes DLC sont des quêtes G3. En attendant que les prochains arrivent, nous allons voir un petit peu ce que nous donnent ces quêtes DLC. Des broyeuses. Ah, des broyeuses Diablos. On peut faire Fin du Monde, qui est un canon Rathalos Argent. D'accord. Donc on peut faire ça. Ok. Le bouton cogneur qui est... D'accord, Rathalos Argent, je pense, et Rathion Doré. Il n'y a besoin que de Rathalos Argent, ça qui est bizarre. Ça a l'air assez fort, affinité 20%, 936 de base, plus 280 de feu, c'est pas mal. Possibilité d'avoir tranchant violet avec... avec vous savez quoi. Artisanat plus 1, donc voilà. Je pense que je vais faire la Gold Ration du coup maintenant, oui. Ah, on a la seule argent Z également. Qui sont très belles, très sympas, mais qui a quand même moins 7 en eau, hein. Sur chaque élément, c'est un peu abusé. Qu'est-ce qu'elle donne comme talent? Supplice, expert, dextérité, feu. Ouais, rien de fou en fait par rapport au truc précédent. Hérétique, c'est quoi ça? Rajang plus. Ah, je crois que c'est un autre DLC. L'étreinte de la déesse. Qu'est-ce qu'il fait Papouche? Pourquoi il est parti? C'est pas débloqué, hein, la rature dorée. Faut faire d'autres quêtes aussi, alors, pour la débloquer. Et merci à Uncle Pickle. Et bienvenue. Je crois qu'on va être obligé de faire le Tigrex, hein. Alors sinon, on va devoir faire le Zinogre et Seregios. On va se faire ça, hein, si vous voulez.
Eh non mais sérieux, les chachas Sonic ils pètent les couilles en fait. Mais vraiment. Bonjour, les chachas Sonic sont très casse-couilles. Il y a de la place, mais pour l'instant c'est des places qui étaient déjà plus ou moins réservées. Bon écoutez, Urtix n'est plus là. Je sais pas ce qu'il est parti faire. Papouche ne veut pas revenir, je sais pas qu'est-ce que fait Papouche. Scapou, il faut que tu me donnes tes informations. Quel est ton nom de personnage dans le jeu et quel est ton rang? Est-ce que tu es G spécial? Est-ce que tu es... Est-ce que tu es G... je sais pas quoi, bref. Ah d'accord, Urtix a dit qu'il partait, d'accord. Oui mais lis ton chat, merci Dosno, quand c'est en plein milieu d'une quête, je vais pas pouvoir faire autrement. Il m'a dit ça il y a 50 000 ans. Il m'a dit ça il y a 20 minutes, mec. pendant la quête, quoi, en gros, limite. Tu peux plus te co depuis une semaine online, d'accord. Bon, bah écoutez, il me reste 2 places, alors voilà, vous faites comme vous voulez. Ceux qui veulent revenir, vous pouvez revenir. Alors, bah du coup, Scapou, tu peux venir. Scapou, tu es noté. Yo-Yo, tu peux pas venir, c'est du rang G3, normalement, les quêtes, là. Théoriquement, c'est du G3, hein. Donc tu ne peux pas venir, malheureusement. Scapou, l'idée de la salle, tu as toutes les informations qu'il faut avant de... Oups. Tu as toutes les infos ici. Bon, du coup, je crois que je vais rester avec les mêmes tout du long. Du coup, ça commence vraiment à m'ennuyer, les Live Monster Hunter, franchement. On a déjà bien saigné le jeu, mais... Il y en a qui veulent que je continue le live jusqu'à l'infini. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder, hein. C'est ma série la plus regardée en ce moment, mais malheureusement, on n'a plus grand-chose à faire. Il n'y a plus énormément de monde non plus en live. Ça ne tourne pas autant qu'avant. Donc on s'ennuie un peu parce qu'on n'a pas le temps de partir en quête. Parce que les gens ne viennent pas. Ben voilà l'Osno. Le grand l'Osno, bien entendu. Escapou, ben parfait, voilà. Nous sommes tous là. Et merci à MBoss974 et bienvenue. Oui, je suis comme ça, moi je fais des références à des gens connus.
Je crois qu'il est temps qu'on crève comme des bouses, hein, surtout. Si vous voulez mon avis. Ah, je veux bien un petit couteau paralysant, moi. Ça m'intéresse. Ah, il file carrément des steaks à points dans cette quête. Apparemment, la quête a l'air compliquée vu le nombre d'objets de ouf qui nous filent. Apparemment, ça a envie de. Mais il est déjà énervé, le Zinob. On a même pas commencé la quête, il est déjà vénère, le truc. D'accord, gratuité. Bon, je vous avoue que c'est quasiment les deux monstres que j'ai testé le plus, hein, pour la Star Knight. Heureusement que l'armure est complètement craquée, parce que... Franchement, vu la quête... On va sans doute la farmer un peu, cette quête. Ferme ta gueule et me rempoule. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est notre ami le Zinob. Bon, heureusement, pour l'instant, le Sirigus nous a pas vraiment cassé les burnes. Et ça, c'est bon, ça. Ah. Ah non, pas ça. La viande de Mosvine. Ce sont mes viandes Mosvine, please. Pensez à activer les pièges, mes amis. Pensez à activer les pièges. Aïe. J'ai mal, je souffre, je saigne. Je supporte pas ce putain de monstre. Oh putain. Voilà, appuyez. Je peux pas les activer en fait, d'accord. Interdit, bon bah ok. Attendez, on va poser du piège à fosse. Allez voir notre ami le Zinob pour tenter de le paralyser. Ah non, mais casse pas tout en lui sautant dessus. Mais là qu'il est paralysé, autant le... lui péter la gueule, quoi. Ah fuck. Les viandes Mosvine, vite! Mais non, pas un steak à point! On a rien à foutre dans un steak à point! Bon, tant pis. Mais prends ta potion! Oh my god!
Bien joué ça. Wow. Wow, on va se calmer gros. Ah mince. Le snow m'a empêché de sauter. Aïe. Mais aïe. Je vais aller looter la queue vite fait. Ils sont tous à l'autre bout de la map, c'est pas très grave. Ils risquent pas grand chose. Wow. Wow, 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 wow. Je comprends rien ce qui se passe. Donc on en finisse avec ce zinioc de merde. Voilà, c'est bien. Il va tomber. Pour l'instant, d'autres s'occupent de... Luceregios. J'en perds mes mots tellement l'action est intense. Parfait, bravo. C'est ça qu'on veut. Voilà, excellent. Alors, je... Merde. Merde, merde, merde. Ah. Ah, il faut peut-être qu'on loot le cadavre assez vite, ouais. Ah, il est en train de monter dessus, c'est parfait. Je crois que le snow a de la paralysie ou il a peut-être de la glace, on ne sait pas. Non, c'est de la glace. On n'a pas de para malheureusement. Ah, c'était une belle garde. Eh bien, bien joué. Ça allait vite le Seregios, hein. Ça allait super vite. Alors il a perdu sa queue ici. Et non, personne n'a pris de fumigène. Je ne savais pas qu'on pouvait pas déjà séparer les trucs, mais on s'en est bien sorti. Écoutez, on s'en est bien sorti, hein. Je trouve que c'était très propre. Ça change un peu des derniers épisodes assez fail qu'on a eu. Qu'on a eu tout récemment. Oh, pas spécial, vous, je vous dis Jasp. Fait plaisir. Merci à Freezy Pop. Et bienvenue sur ce stream. Bon, on a une petite Jasp, ça fait plaisir. La petite Jasp, elle est pas de trop. Il me semble qu'il m'en fallait pour d'autres trucs, de toute façon.
Les codex sont réellement longs, ceci dit. Franchement, il faut vraiment farmer le jeu comme un porc. Il est sérieux, deux jaspes, un émeraude, un œil sur Rigios, what the fuck. Cet homme se fait tromper par sa copine. On va aller voir ce qu'on a récupéré, si on peut déjà créer un morceau de Star Knight ou quoi que ce soit. Star fucking Knight, il manque une célèbre rose, vous êtes sérieux, il faut des trucs de ouf en fait. Et là où elle est forte cette armure, c'est que non seulement elle a... Elle a son de défense qui est à peu près équivalent aux plus grandes meilleures armures de rang 10. Mais elle a quand même des résistances partout. C'est-à-dire qu'elle est faible à aucun élément et ça c'est fort, vous pouvez la mettre tout le temps en gros. Elle vous donne courage chevauché et inflexible. Courage qui donne normalement challenger. Chevauché ça bon normal et inflexible c'est quoi par contre ? Talent empêchant les attaques d'être déviées et réduisant de moitié la diminution de tranchant, ce qui est fort aussi. C'est pas ouf, mais ça va, c'est pas mal. C'est pas un truc gros DPS, mais c'est pas mal en tout cas comme armure. Et puis il y a beaucoup de slots, il me semble, donc vous pouvez largement rajouter un petit peu ce que vous voulez avec. C'est une armure pas mauvaise, quoi. Je vais faire les avant-bras. On va regarder si je peux faire d'autres trucs. La boucle, il me faut un ticket de petit chef S. Je sais pas où on les récupère, j'en ai déjà deux, mais je sais pas où on les récupère. Je vais faire également les grèves. Et le torse, est-ce que je peux le faire hein? Oui, je peux le faire à la côte. Voilà, voilà en gros. On pourrait se faire un morceau, hein. On pourrait se faire un morceau. On peut en drop sur le DarNG. Ok, d'accord, merci. Mais non, je voulais pas l'équiper, bouffon. Il fait chaud, dis donc. Ça fait combien de temps qu'on a entamé? J'ai même pas fait attention. Moins d'une heure, en tout cas, c'est sûr. Et je pense que les sessions seront plus courtes dorénavant parce que j'ai vraiment soif. Attendez, je vais me servir à boire. Allez les amis, le petit sirop d'Ice Tea qui fait plaisir. Voilà. Attendez. Parce que j'ai le dos en sueur. J'ai le dos en sueur et du coup, j'ai mon siège qui est tout mouillé, vous voyez. Parce que je suis torse poil, parce qu'il fait trop chaud, et du coup je suis obligé de mettre une
une serviette dans mon dos pour pas tremper mon siège de bureau. C'est n'importe quoi. Ah, voilà. On est mieux. Mais le problème c'est que c'est la serviette qui est trempée. Ah non, pas de cam, Losno, pas de cam. D'ailleurs, voilà une des raisons pourquoi il n'y a pas de cam. Je n'ai pas le droit de me mettre torse poil sur Twitch. Hein. Tellement j'ai fait les inogs et les sérigios, j'avais juste à récupérer les tickets. Alors. Honnêtement, je vous dis, ça me fait chier de farmer la Star Knight. On va faire autre chose. Écoutez, je garde les mêmes pour l'instant. S'il y en a qui veulent prendre une place après, qu'ils se manifestent à chaque fois, parce que sinon on va perdre trop de temps. On va refaire une quête, après on fera la pause. Qu'est-ce qu'on a spécial? Ah oui, j'étais intéressé par le Tigrex 3D. Je sais pas ce qu'il avait de si spécial ce Tigrex, mais on saura bientôt. Ah, je note le Pika. Et on est parti. Bah écoutez, après on garde une place pour Pika et Papouche. Prochaine quête. Allez, on vous attend. Ah oui, effectivement, l'artilleur est pas mal, en fait. Parce qu'il force toutes les résistances à tous les éléments, quoi. C'est une armure très polyvalente, du coup, vous pouvez l'utiliser à peu près contre n'importe quel monstre sans trop de soucis. Mais en vrai, certains talents sont plus gadgets qu'autre chose, hein. Mis à part Challenger plus 2 sur cette armure. La chevaucher, c'est pas mal, mais quand vous savez déjà plus ou moins chevaucher des monstres, c'est pas très utile. Allez, on est parti pour ce fameux Tigrex. Attendez, mon chargeur de 3DS est coincé. Voilà. Faut que je roule sur mon chargeur. Voilà. Sur mon chargeur de 3DS. Alors, qu'est-ce qu'il a ce fameux Tigrex? C'est juste qu'il est géant, c'est ça? Enfin, il a l'air un peu géant, mais pas tout à fait. Alors, ils disent Tigrex 3D. Pourquoi? Parce que la 3D est incroyablement faite, alors que déjà elle fait super mal aux yeux sur ce jeu. Non, je comprends vraiment pas ce qu'ils ont avec ce Tigrex 3D, quoi. Pourquoi 3D? Il a l'air juste un peu géant, quoi, en fait. C'est ça, le truc. Et encore, je suis même pas sûr. Si, il est quand même géant, en fait. C'est cool d'avoir
d'avoir protégé un banc bouche-oreille contre lui par contre. Touché, salopard. Si là où c'est super fort en fait. Non mais l'ombre noire il a pas la Star Knight. Il a quand même réussi à rester alors que j'avais fait des gros coups. Oh oui, c'est beau ça! Attendez, je vais continuer à rester sur sa tête. Et la tête qui a pris un sacré coup là. Et la queue qui est coupée. Mais putain, mais il s'est fait défoncer! Ça, c'est beau ça. Il y a encore des trucs qui explosent de partout. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, ce Tigrex est en train de se faire violer. En direct. Et il est tellement grand qu'il ne nous touche même pas. Honnêtement, je ne comprends point pourquoi. Pourquoi ce Tigrex s'appelait Tigrex 3D hein, mais... Je crois que personne d'entre vous n'a la réponse apparemment. Bon, par contre, c'est quand il veut qu'il crève. Il a déjà pris tellement cher. Ah, il a été endormi. De toute façon, on n'aurait pas fait grand chose avec le sommeil là. J'aurais pu faire une charge dans sa tête ou quelque chose, mais bon. Genre il m'a touché. What? Peut-être seulement quand il est vénère alors il peut faire ça. Allez là il va crever j'espère. Voilà. Je pensais bien que ça allait se finir maintenant. Alors, Mystery Hunter, peux-tu me rappeler le nom de ton personnage et ton rang, s'il te plaît? Écoute, oui, on verra, Yo-Yo Gamin, si jamais on tombe sur une 4G1. Pour l'instant, ce n'est pas le cas encore.
Et merci beaucoup à Dark Shadow, et bienvenue à toi. Ah, on chope des tickets aussi là-dessus. Donc du coup, on peut aussi faire ce Tigrex de merde pour la... C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Pour la Star Knight. Si on a juste besoin des passes. Oh, j'ai... Mais quoi, y a... ça donne qu'un... qu'une lettre. C'est de la merde. Ça pue la merde un peu. Bon, pas grave. Akato couronne d'or, très bien. Alors désolé aux deux autres, j'ai dit que je laissais une place à... à Papouche et tout ça. À Papouche et Dark Pika. On va faire la pause les amis. Papouche et Dark Pika, vous pouvez rejoindre. En tout cas pour les autres, c'est ici que s'arrête la rediffusion pour YouTube. Donc pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas bien sûr, comme d'habitude, de regarder la série, hein, continuer toujours, ça fait plaisir. Vous êtes toujours assez nombreux. Et bien entendu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et bien entendu, le pouce vert, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et on se retrouve très très bientôt. Et pour les autres, et bien deux petites minutes de pause. On se retrouve tout de suite après. Voilà, à tout de suite.